bienvenue pour ce nouvel épisode de la Minute Mobile. Un mobile qui tombe à l'eau, c'est le drame. Cependant, il existe des gestes simples qui pourraient sauver la vie de votre téléphone. Eh bien, tout à fait, Michel. Bienvenue Max. Pour cette recette qui va vous permettre de sauver votre téléphone portable, votre petit compagnon qui vous est si cher. Et si jamais il est tombé dans de l'eau salée, eh bien, vous commencez par le rincer. Abondamment, Michel. Vous allez franco de porc. Abondamment, car évidemment, le sel accélère et aggrave la corrosion des circuits, et cela est très dangereux. Ceci étant fait, vous allez également le plus rapidement possible, Michel, enlever la batterie de l'appareil. Voilà, hein, bien sûr, vous désossez ça comme un poulet, rouillez-vous quand même, on n'a pas toute la nuit. Vous allez prendre l'appareil et vous allez le sécher pour enlever le maximum d'eau avec voilà, une petite serviette éponge ou éventuellement un torchon de table ou une serviette de bain. Eh bien, nous arrivons au moment du truc et astuce de la maison Bourtignac qui est tout à fait incroyable puisque vous allez prendre un vulgaire sachet de riz, voilà, et plonger l'appareil dans ce sachet de riz pendant au moins 24 heures. Alors, allez-y, Michel, vous plongez l'appareil. Et voilà, vous le plongez très très fort. Ça aurait pu prendre un format familial, mais Michel est une pince, bien sûr. Et donc, sur ces 24 heures, vous n'y touchez pas. Si vous rallumez évidemment l'appareil trop tôt, c'est bien dommage. Le riz n'aura pas eu le temps d'absorber toute l'humidité. Et c'est un coup à flinguer votre petit compagnon, ce qui est très triste. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de la question, Michel. Eh bien, je vais laisser nos téléspectateurs profiter et déguster les communications de leur téléphone. Et je vous souhaite un bon appétit, bien sûr. Merci, Michel. Max. Merci. À bientôt. À bientôt.